Salut tout le monde, aujourd'hui top 10 des types d'élèves à l'école. Numéro 1, c'est-tu juste moi ou il y a toujours un élève qui a pas ses crayons? C'est comme t'es-tu trop pauvre pour t'en acheter? Qu'est-ce que t'as en train de dire là? Ah non rien, c'est juste une vidéo pour YouTube, un petit truc humoristique. Ah cool! Je peux-tu donner un petit conseil? Mm-hmm. Arrête ça tout de suite, t'es vraiment poche! Wow, je suis drôle Julien. Non, t'es pas. Oui, je suis drôle. Non. Oui, je suis drôle. Non. Julien, les gens me trouvent drôle, ok? Tu revois sur internet, google-moi, les gens me trouvent drôle. Ok, si t'es drôle, fais-moi rire. Ouais, ça marche pas de même, Julien, c'est pas le bon contexte, t'es pas récent. Regarde, fais juste ton texte sur les élèves, là. Ok? C'est bon? Ouais. Go! Prépare-toi à rire, ok. Numéro 2. Hey! C'est-tu juste moi ou il y a toujours un élève qui arrive en retard à l'école? C'est vrai, ça. C'est comme le boss, là. Faut que tu rentres dedans, dans la vraie vie, pas juste dans tes rêves. Dans le sens où il dort. Check, j'en ai un autre. Numéro 3. Hey! C'est-tu juste moi ou à l'école, il y a toujours un élève qui t'enferme dans les casiers qui te laisse là la fin de semaine? C'est pas une blague, ça, Thomas? Je sais. Ça va? Ouais. T'en as-tu une autre? C'est fini? Ah, celle-là est bonne, ok. Numéro 7! Attends. Hey! Voyons. Hey! C'est-tu juste moi ou à l'école, il y a toujours un élève qui a 4 jambes puis il fait chier tout le monde? C'est comme... T'as 4 grosses jambes de jambon, laisse-les chez toi! Ok Thomas, c'est... arrête avec les vidéos sur les élèves. C'était peut-être cool, en 2006 sur Dailymotion, ok? J'hésitais entre ça pis un Harlem Shake. Harlem Shake. Toi t'es un gars qui veut dans la vie, hein? Mm-hmm. C'est ça que je recherche! Wow, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu vas accepter que je sois ton agent là, tu vas voir toi pis moi, on va aller au bout du monde! Tu vas être le plus grand comique du monde, moi le plus grand réalisateur, ça va être fou! Arrête de suer, premièrement. Deuxièmement, c'est gentil, Julien, mais j'ai pas besoin d'agent. C'est ce que Sean Paul disait aussi au début. T'es pas l'agent de Sean Paul. J'étais l'agent de Sean Paul. Non. Jusqu'à ce qu'il me laisse pour Kyle Mark. Pour Karl Marx. Non, Kyle Mark, l'agent de Rebecca Black. Ok, Julien, c'est drôle tout ça, mais regarde, il faut juste 2 clics sur Google pour voir que t'étais pas l'agent de... Toi, t'as été l'agent de Sean Paul pendant 10 ans? Tu penses que le qui commence à changer son température? Hein? C'est moi qui ai regardé le thermomètre et qui a dit « Ça, c'est un hit! » Sean Paul. Mais 10 ans, ça veut dire que t'as commencé à être son agent à 13 ans? Non, ça se peut pas. C'est... T'as quel âge? 28 plus 13... T'es pas supposé calculer pour dire... La scène carrée. Depuis, c'est ça, moi. Est-ce que je dois avouer que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros que ça, là? C'est drôle, c'est ce que ta mère a dit hier soir aussi. Pardon? Écoute, pour te prouver que je te dis pas de la merde, là, passe-moi ton sel, puis je te book un rendez-vous en 10 secondes avec un producteur. Ok. C'est quoi, tu me fais pas confiance? Ben oui, c'est pour ça que j'ai de l'avenir, le jeune. Oui, allô, 9-1? Ok. A shoddy fire burning on a dance floor. Wow! Julien, raccroche. Chut! J'essaie de travailler ici! Non, pas vous, madame. Non, je suis vraiment désolé. La semaine prochaine? Oui, c'est parfait pour mon client et moi. Ok, bye. Je t'aime. Non, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Voyons, raccroches-tu? Hein? Au titre incompétent du gouvernement? T'as un rendez-vous dimanche prochain, midi au Québec, 18h en France, sur youtube.com/TomLeeVlogs avec le plus grand producteur slash ambulancier du Québec! Ben voyons donc! Les deux boys en appart, ils se font des farces. Les deux boys en appart, ils saillent sa face. Ok, Thomas, pratique, raconte-moi une nouvelle blague. C'est un gars qui veut rentrer dans la police. On la connaît, celle-là. Attends. Il veut rentrer dans la police, sauf qu'il a pas des assez bonnes notes. Fait que finalement, il fait un changement de carrière, puis il devient acupuncteur. Ouais, on va la travailler, celle-là.